Au Soudan du Sud, à présent, un avion de ligne de la South Supreme Airlines s'est écrasé et a pris feu dans la ville de Wau lundi. Selon un officiel de la compagnie, les 49 passagers et membres d'équipage ont survécu au crash. L'avion était parti de Djouba et sa chute aurait été provoquée par de mauvaises conditions météorologiques. Des soldats de maintien de la paix de l'ONU ont travaillé avec les secouristes locaux pour évacuer les passagers de l'avion. La plupart des personnes à bord étaient des Sud-Soudanais. Il y avait aussi deux étrangers, l'un venant de Chine et l'autre d'Érythrée. Une enquête est en cours pour connaître les causes exactes du crash.